Comparatif entre l'œil et l'appareil photographique. Qui choisit la quantité de lumière dans l'œil? Eh bien, la pupille et l'iris, alors que dans l'appareil photo, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Quel est le système convergent qui fait converger les rayons lumineux provenant de l'objet pour l'œil? C'est le cristallin. Et pour l'appareil photo, c'est l'objectif. Où se forme l'image? Eh bien, pour l'œil, l'image se forme dans la rétine, alors que pour l'appareil photo, eh bien, c'est dans des capteurs optoélectroniques ou éventuellement sur une pellicule.